Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode de La Grotte du Barbu. Je reste dans mon obsession sur la couture et après avoir fait le patron, maintenant je vais transférer justement les différents éléments de ce patron pour pouvoir découper mon tissu. L'étape qui viendra juste après, ce sera la couture, mais ça on y viendra après. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon tissu que j'ai plié en deux et j'ai posé mon patron d'abord de la face avant et ici la manche que je vais faire deux fois. Donc mon tissu est en deux épaisseurs et pour éviter qu'il bouge pendant que je vais le découper, je mets des épingles. Le tissu qui est utilisé, je ne connaissais pas le terme, c'est ce qu'ils appellent un jersey, qui est un tissu apparemment adapté pour faire des t-shirts, bien qu'il me paraît un peu fin. Mais ça, ce sera une autre étape, justement, d'essayer de savoir comment choisir son tissu, où aller, etc., etc. Mais pour l'instant, c'est un premier test. Savoir si, justement, mon patron, ma découpe et ma couture sont correctes et j'arrive à faire un t-shirt qui tient la route. Donc là, je mets des épingles et je découpe deux éléments qui, paradoxalement, sont peut-être plus importants que votre machine à coudre. Il faut avoir beaucoup d'épingles et surtout, il faut avoir des ciseaux qui coupent bien pour avoir une découpe précise et précise. Donc là, comme on peut le voir, je suis en train de découper la face avant de mon t-shirt. J'ai épinglé un peu tout le tour pour éviter que le t-shirt bouge et je peux finir de découper mon élément. Les étapes suivantes, bien sûr, ça va être la couture et ça me permettra justement de tester si tout le processus de reproduction du t-shirt marche vraiment ou à quels endroits est-ce que je me suis planté. J'avoue, c'est du matériel qui est complètement fascinant et de découvrir un petit peu ce nouveau domaine, c'est quelque chose que j'adore et que j'essaye de vous faire partager. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous, à très bientôt. Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.